va pas. Ah ouais, c'est heureux. Ah ouais, super. Ah, je fais bien, impeccable. Elle a eu une très bonne course, mais Thierry me dit qu'elle ne s'est jamais vraiment relaxée. Faut un petit peu... Voilà, ce sont les courses. C'est une nouvelle cravache, c'est jaloux. Ouais. Bah, pour être nouvelle longtemps, c'est une qui va. On est pour Swedish Man parce que bon, bah, ça nous rappelle la Suède, hein, Solvalla, des grands moments. Swedish Man, plutôt Swedish Girl, quand même. Faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est bon ? Est-ce que t'as dit allez maman ? Oui ? Non, si, si, t'as dit allez maman. T'as vu, c'est, t'as dit allez maman. Comment t'es dur, non ? Bah oui, oh. Non, je parle de quoi ? Ta course, par exemple ? Bah, ça s'est bien passé. T'as pas vu ? T'étais où ? T'étais au shot, là ? Parfait, Jérémy. Louis Singalo, deuxième. Est-ce que, pour toi, c'est une performance très rassurante ? Bon, Jérémy Regina, sa dernière tentative a été très encourageante. Ouais, c'était pas mal. Ça marche. Ah ouais, j'ai pas brossé. Je sais pas, non. C'est une bonne performance. Ouais, c'était pas mal. Néné, Alex, il a une nouvelle fois, il a été très bon. Oui. Bah quoi ? Jérémy Regina, sa dernière tentative était très encourageante. Je rattrape. Je rattrape Maxime. Rattrape Maxime. Ah non. Jérémy, qu'as-tu pensé de la dernière course de Regina ? Bah, la course était bonne, la jument était seconde, elle marchait 13-4, donc c'était plutôt bien. Sur la petite piste ? Ouais, sur la petite piste. Et grande piste ? La grande piste, elle a déjà gagné un quartier, je crois. Enfin, je sais pas si tu t'en rappelles. Moi, je m'en rappelle en tout cas. Je l'ai connue celle-là, ça s'appelait Maria Suarez Arangio. Là, il a été nettement meilleur que Dior, encore meilleur. 13-2. Ouais, le Dior c'était 13-8. Pour finir comme ça, là, 13. Est-ce que c'est l'un des meilleurs chevaux que tu es monté ? En vitesse de base, je crois que ouais, il se rapproche des meilleurs que j'ai montés. Joss brillantissime, il vient de remettre les pendules à l'heure. T'as eu bon parcours. Oui, mais vous n'étiez pas là la dernière fois, il a gagné aussi. Ah, mais c'est vrai, vous étiez parti en voyage. Excusez-moi. Petit bras, on en a une belle le prochain coup. Quelle est sa principale force à cette jument ? Bah, elle est brave, elle est rapide, elle est bonne, elle n'a pas beaucoup de défauts. Est-ce qu'on est dans le bon timing pour le cornulier ? On s'est vu plus mal. On s'est vu plus mal. T'as eu peur d'être attrapé ou pas par Léo ? Je vais la prendre la parole. Je vais la prendre la Donc là, t'es préparé comme un cheval de groupe. Par le petit Marius. Et Mademoiselle Chassagne. Madame. Pour l'instant, Mademoiselle. Je prépare un petit rédicage à midi. Voilà. Par contre, c'est ça passe, parce que quand tu te dégarnis, tu te coupes le haut. Toi, vas-y, tu me fais chier. T'as appelé celui-là, putain. T'as préparé ça, non, le... Le quoi ?
2002, petite piste, là. Non. Non, tu sais, le jour du Prix d'Amérique, il y a une belle course montée, là. J'ai vu que... Ah ouais, ouais, en tête. On les a tous mangés les uns après les autres pour en prendre un dans la gueule au plateau de départ. Tant que je mets tout, moi t'en as, puis t'as du mal à les ranger. Est-ce qu'on pense un petit peu au cornulier à un mois? Non. Je mens parce que c'est vrai que ça apporte une réflexion, mais... C'est par superstition que t'as pas voulu prendre la photo? Non, moi je voulais la prendre, c'est le patron qui a pas voulu. Je suis pas un spécialiste de course hippique au Japon. Et encore une fois, c'est toujours un plaisir pour moi de venir. Michel, il veut me sortir. Et tu sais, je me bats. Après, il est parti par le vent. Pour finir, je te jure, je peux pas la lâcher. T'as vu la vitesse que je fais pour finir? J'ai pas trop l'impression d'être au top. Et en fin de compte, la jument était quand même bien. La suite de son programme, ça passe par quoi? On va se frotter au vieux une nouvelle fois? Bah là, elle va courir le Bourgogne, comme elle a fait rien depuis trois courses, qu'elle fait vraiment l'intérieur à chaque fois, quoi, le Prix de Bourgogne. Chance qu'on se laisse tenter, mais déjà faut gagner le continental et on n'en est pas là. Quelle arrivée dans ce Prix d'Amérique continental, et c'est fait pour Mathieu Potier, victoire numéro 4 qui l'emporte dans ce Prix d'Amérique continental 2013. Regardez le passage du côté, c'est gagné pour victoire de l'Ukraine. Daniel Potier qui tient sa fiche, elle est propriétaire, entraîneur et éleveur, éleveuse. C'est beaucoup plus facile. Raconte-nous un petit peu. Coupé, on l'a fait. Alex, t'as remporté ce prix Bénique Bodin avec... Vas-y, j'ai le droit de sourire. Je suis content. Battu par un cheval qui est déféré et puis qui est venu lancer sur lui, quoi. Non, le cheval a... Ni le jockey, on n'a rien à lui reprocher de non plus, quoi. On a entendu dire, Hubert Hardy, que c'est Nathalie qui t'avait un petit peu conseillé. Bravo, Laura. C'est pas mal quand même d'être conseillé par Nathalie. Bah oui, c'est très gentil à elle. D'ailleurs, il faut que j'aille la féliciter. Enfin, la remercier plutôt. Non, c'est elle qui va te féliciter. Quelle horreur. Bend, c'est bon, rigole, allez, tiens. Allez, viens. Ah, maintenant, faut pas une question, faut pas une question con. Alors, pas une question con. Et ben justement. Justement. C'est la dernière fois que j'ai fait un travail de fou. Tout ce que je peux te dire. Allez, Jean-Étienne, le retour de The Best Madrid a été remarqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, le cheval il court pas mal, mais bon... C'était les ordres d'aller dedans. Ça c'est les ordres, c'est comme l'habitude. Pendant 9 mois on a travaillé pour courir derrière. Et là aujourd'hui, à un mois des Prix d'Amérique, il va m'envoyer devant, j'ai jamais vu ça. Même un cheval de réclamé, il ne mérite pas ça, ce que j'ai fait là. Et moi j'écoute les ordres, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, la bonne note de la course, pour moi, c'est Univers Dupont. Il finit emballé derrière moi, il montait dessus. Tu penses que c'est compromis pour le Prix d'Amérique avec la course d'aujourd'hui? Ah bah, c'est sûr, c'est certain. Il a plus de 3 ans et lui, Westerling, il parle toujours de ses 3 ans et 4 ans. À cette époque-là, tout le monde était content d'être dans son dos. Aujourd'hui, tout le monde est content de m'envoyer à la mort, c'est tout. C'est un travail de fou, ça. Non. En tout cas, un mois, oui, quand les choses sont bien, c'est suffisant, et quand elles ne sont pas bien, c'est toujours trop long. Donc, le temps, ça n'a pas d'importance. Disons qu'il court correct, voilà. Non, mais c'est vrai. Soyez prévenus, dès qu'une vidéo est postée, en vous abonnant gratuitement,
sur Facebook à 2h, YouTube à 2h, et bien évidemment Twitter, Yann à 2h. Vous avez également la possibilité de nous regarder sur le site à2h.com, bien évidemment.